Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash Royale. On se retrouve aujourd'hui pour une offre, spéciale. Une offre en fait pour avoir le coffre magique, des gemmes et de l'or pour 9€, donc voilà. Et donc l'originalité les amis, c'est qu'on va se faire un deck à partir des cartes qu'on a obtenues. Je sais pas si ça a déjà été fait mais je pense que oui. En tout cas ça va être bien fun, je suis bientôt à 4000 trophées donc c'est vrai qu'on va un peu ruiner le truc. On va un peu ruiner notre classement mais c'est pas grave. Allez on se retrouve directement pour la petite ouverture. Allez, bim bam boum, on achète. Oui, je confirme que je ne... Ouais, nickel. Ok, donc on a le coffre magique qui est directement là. Je sais pas si j'ai le son du jeu, on va checker ça vite fait. Ok, on a le son du jeu, incroyable. Allez, donc la première carte, les squelettes. Attends, on va les marquer. On va marquer dans le bloc-notes. Squelette, voilà, squelette. Ensuite, nous avons l'esprit de feu x3, donc c'est pas beaucoup, hein. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Esprit de feu x3, d'accord. Et on veut bien sûr, les amis, le nouveau dragon. Alors, on va mettre Horde, tac. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les bombeurs x5. C'est vraiment pourri. C'est vraiment pourri pour l'instant. Bombeurs x5. Ensuite, nous avons 60 géants royaux. Ok, d'accord. 60 géants royaux. On va aller sur la prochaine. 19 méga gargouilles. Tac, 19 MG. Et donc là, les amis, on va avoir plein d'épiques. C'est parti, 3 sorcières. D'accord, donc plein. Oui, plein vite fait. D'accord, du coup les amis je vous propose qu'on se mette une petite, voilà donc l'or qui arrive bien sûr. Je vous propose qu'on se mette, donc déjà les cartes que j'ai obtenues, on va les améliorer également. On peut les mettre niveau 11, je sais pas si c'est très utile, je pense que non. Donc esprit de feu, tac, on va placer dans notre deck. Et on va mettre l'extracteur en plus, parce que concrètement l'extracteur qui fait plaisir. Alors... Ouais, j'ai même passé pour un super coffre magique. On peut se faire plusieurs coffres magiques après, les amis. On les fera, je pense, en fin de vidéo, parce que du coup, là, je veux tester le deck avec le petit coffre magique que nous avons eu. Et pourquoi pas, ça peut être une série, ça. Je pourrais vous ouvrir un coffre magique dans une prochaine vidéo. Ouais, je pense qu'on va faire une série, les amis. Je vais tourner une autre vidéo après, ce sera le 12e épisode. Ok, donc le bomber qu'on va placer niveau... Enfin, qu'on va mettre niveau 11, du coup, ça fait plaisir, hein, ce petit bomber. Du coup, qui n'est pas beaucoup joué, je trouve. La sorcière également, qu'on va placer... Tac, niveau 5. Voilà, le géant royal, le fameux géant royal. Ça va nous faire un deck un peu chelou, je pense. Mais bon, c'est ça qu'on aime. D'accord. La méga gargouille qu'on a obtenue. Ce serait bien qu'on puisse la mettre niveau 8, mais on peut pas encore, je pense. Où qu'elle est? Où qu'elle est, cette méga gargouille? Elle est... Ouais, elle est ici. Ok, donc niveau 7. On va, voilà, enlever ça. Et je pense que c'est parfait. Les amis, voilà, donc c'est nickel. On a tout. Ouais, je pense qu'on a tout. C'est parfait. Bah écoutez, on va lancer une partie. Le deck coûte 3,8. Donc franchement, c'est raisonnable. Franchement, je trouve que le deck n'est pas dégueu du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que, franchement, il n'est pas dégueu du tout. Tac. Ok, on a une cabane de barbares. Voilà, génial, un mortier. Bravo, bravo Théo. Bon, allez. Franchement, si on gagne une partie avec ce deck, les amis, je suis content. Je pense qu'on va s'en faire 3. Et oui, c'est la nouvelle série, voilà la nouvelle série qu'on vient de découvrir tout de suite. La nouvelle série avec justement les pack opening. Et donc après on fait un deck avec ce qu'il y avait dedans. Ok, donc esprit de feu ici, ok parfait, donc là ça va faire une très très belle défense. Comment on va pouvoir protéger le géant royal? Je pense qu'on va mettre la méga gargouille ici, ouais, malheureusement. Le géant royal qui va se faire décimer. Le bomber qui peut faire des dégâts. Hein. Waouh, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse les dégâts qu'il fait. Après je pense qu'il va pas survivre face aux esprits de feu. Ok, donc est-ce qu'il peut mettre un petit coup à la tour, vous pensez? Est-ce qu'il peut mettre un petit coup à la tour? Ok, un petit coup. Ouais, un petit coup. Bon, c'était un peu pourri. C'était un peu de la merde, frérot. C'était un peu pourri. Ah, donc là, c'est chiant. Parce qu'il va nous mettre plein de dégâts avec ses petits gobelins lances. Donc là, il va falloir qu'on défende avec une sorcière. Ou alors, je sais pas trop. Je sais pas trop ici. C'est assez chelou. C'est assez chelou parce qu'en fait, on sait pas trop... On n'a pas envie de mettre beaucoup d'élixir pour défendre son truc qui lui a coûté 5. Ça a coûté 5, donc vous voyez, c'est assez compliqué de défendre ça. Voilà, la sorcière derrière avec le géant royal, c'est parfait. On va placer la méga gargouille, voilà, donc là, forcément, les esprits de feu qui cassent les noix, d'accord. Les esprits de feu qui font chier, voilà. Ok, donc là, le géant royal, qui va taper. Bon, alors après, je dois vous avouer que le géant royal, je ne l'ai pas joué depuis très longtemps. Avant, je le jouais, mais maintenant, depuis qu'il a été patché, je le joue beaucoup moins. Je dois vous avouer que ça fait bizarre de le jouer. Ok, donc la petite squelette ici pour attirer la mademoiselle, la valkyrie. Et un extracteur tranquillement posé comme un bâtiment. Pardon, excusez-moi. Posé, voilà, on va dire posé. Alors, l'esprit de feu qui ne va pas faire grand-chose. Et je vous propose qu'on mette le bomber qui va faire... Ah, malheureusement, ok. Est-ce que le bomber va faire le taf? Ouais, vite fait, hein. Vite fait. Ouais, ça détruit les petits esprits de feu. Bon,
Ils sont des prix dans la tête. C'était un peu pourri. Après, on a une pompe. C'est pas dégueulasse du tout, la pompe. On va passer à la sorcière qui va être... Oh là là, my god. Je pense que là, les petits gobelins qui vont prendre très très cher. Je vous propose qu'on mette le géant royal. En fait, le deck n'est pas dégueulasse du tout parce qu'on a un tank qui est le géant royal. On a un tank et puis du coup, c'est pas mal. Alors là, la méga gargouille qui, j'espère, va à la droite. Nickel, serait. Serait, oui, toujours plus. Toujours plus. Alors, là, on va mettre notre propre horde, je pense, avec les petits squelettes ici. Voilà, avec les esprits de feu. Ouais, je pense qu'on en a mis un peu trop. Je pense qu'on s'est un peu surchargé. On a mis un peu trop de troupes, mais c'est pas grave. On a un deck vraiment chelou. Un deck très chelou. Tac, sorcière ici. Bon, voilà. Hop, le géant royal qu'on va placer ici, tranquillement. Et on va placer le bomber. Je pense, ce petit bomber. Oh, la sorcière qui a été détruite. Oh, la déception totale. D'accord, donc là, esprit de feu, ça devrait bien défendre les barbes. Nickel, les barbares qui sont fait plumer. J'ai envie de vous dire, ils sont fait plumer, les pauvres. Voilà, donc là, l'armée de gargouilles qui est gérée. Voilà, je pense que ça va se finir sur une égalité, cette connerie. Par contre, lui, il est pas très intelligent parce qu'il met à chaque fois son baril du même côté, le mec. Allez, petite boule de feu ici, peut-être. Non, même pas. D'accord, il joue pas boule de feu. Ça me va, ok. Boule de feu du coup qui est placée. Ouais ouais, mince. Je suis un peu bête. J'avais prévu cette fameuse boule de feu et je ne l'ai pas détruite. Enfin, je l'ai pas anticipé quoi. Bref, tu m'as compris. Tu m'as compris, je suis en train de galérer. Non mais c'est chaud, attends, il y a trop de trucs, ça spawn de ouf. Ça spawn de ouf, en fait on a aucun sort. C'est ça qui fait chier. C'est qu'on a absolument aucun sort, il reste 30 secondes les gars. Si on arrive à placer le géant royal, on peut être pas mal hein. Allez, passe devant frérot, ouais, 22 secondes, je pense que c'est mort pour cette partie, en tout cas c'était très fun, la boule de feu qui va arriver bien évidemment, allez mets là ta boule de feu, allez mets là, s'il te plaît, vas-y, grouille-toi, ok, il la joue pas, égalité, bon, bah écoutez, contre un niveau 12, franchement on aurait pu perdre, hein, donc on va se dire que c'est pas dégueulasse, en tout cas, les amis, cette première partie est une égalité. Après d'expawn, on n'avait pas de sorte poison ou quoi, donc c'est un peu pénible, voilà, donc zéro trophée. Bon, c'est pas grave, on n'en perd pas. J'avais vraiment peur de perdre des trophées, mais fort heureusement, on n'en perd pas. Nous revoilà les amis, on a eu un petit bug graphique, en fait, voilà, à cause du boîtier qui a déconné. Voilà, vous voyez actuellement ce qui s'est passé. Donc, eh bien, écoutez, ça m'a stressé, et du coup, j'ai perdu la partie, c'est génial, on en refait une. Voilà, assez déçu de ce boîtier, du coup, qui m'a totalement planté, mais bon. Passons, là ça a l'air de marcher, voilà, heureusement que ça me l'a pas fait pendant le pack opening. Alors, bonne chance, il va se dire, lui, il va se dire Julius ou Rulius, comme vous voulez. Julius, on va l'appeler Julius. Il va se dire que je joue Géant Royal alors que, en fait, ben voilà, c'est pas de ma faute, c'est que je l'ai eu dans le pack opening. On va pas le jouer tout de suite d'ailleurs, parce que ce serait un peu bête. On va jouer la méga gargouille, on n'a pas de sort. Oh, un sort de poison aurait été tellement génial ici. Ça aurait été tellement la base. Malheureusement, on n'en a pas. Allez, on va placer l'extracteur ici. Voilà, malheureusement. Oh là là, c'est nul, c'est pourri ça, c'est vraiment pourri. Allez, les petits squelettes ici. Ok, le bomber. Ah non, pas du tout, c'est pas un bomber, c'est un mineur. C'est un mineur. Ok, il nous reste un peu de cartes. Ouais, on a pris un peu cher, c'est vrai, mais je pense qu'il y a moyen qu'on se rattrape. Oh, je suis dégoûté, le bug du boîtier. D'accord, donc apparemment, quelqu'un me dit, c'est contre moi que t'avais perdu, d'accord, faut savoir qu'il y a 5000 comptes Trapa au moins, il y a des comptes qui sont fake, donc si vous jouez contre Trapa, demandez-moi sur Twitter, je vous confirmerai que c'est bien moi. Ok, donc là, le Géant Royal qui va passer devant, avec la méga gargouille, et c'est presque un combo OP, hein, en vrai, dans la vraie vie, c'est vraiment un combo OP, voilà, excellent, ça peut être un combo fortement sympathique, malheureusement, là, il y a plein de barbares. Tac. C'est un fou trapa, il a acheté une autre armée de squelettes. Ouais, j'avoue, je suis un peu fou sur les bords. Hein. Ok, donc là, et pourquoi j'arrive pas à défendre en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai du mal à défendre. Voilà, vous avez vu, il a mis son sort de zap, il m'a géré tout ça. Allez, on y croit. Oh là là, ce deck, les amis. Ce deck, en fait, il a pas de sort, donc c'est vraiment pas terrible. Hein. Contre les decks spawn. Dès qu'il y a un peu de spawn, on va vraiment galérer, je pense. D'ailleurs, on galère un peu. Donc voilà, là il y a un mineur en face, faut faire gaffe. On a mineur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ok, donc là il me met ça, honnêtement, pas trop de problème. On va lui laisser notre extracteur et mettre le géant royal. Allez, c'est parti. On y croit. Il a joué quoi, les barbares? Donc les barbares qui arrivent, hein. Hop, nickel. Les barbares, du coup, qui sont gérés. Après le géant royal qui n'a pas mis beaucoup, ouais. Il aurait pu mettre un peu plus de dégâts, mais bon, c'est pas grave. Alors. Boulist, on va mettre notre méga gargouille ici et on va essayer de gérer tout ça. Ok, donc là le petit mineur qu'on va gérer et la horde qu'on met
Voilà, j'espère que ça va passer. J'ai un royal devant. Voilà. On va se prendre une boule de boulis, malheureusement, une quille, hein, parce qu'après tout, c'est une quille, le truc. Les esprits de feu qui ont servi à rien, malheureusement, je les ai mis, c'était de la merde, parce qu'ils sont gérés par la princesse, voilà, c'était vraiment dégueulasse. Est-ce qu'on va encore faire un fail? Non, c'est bon, nickel. Pour l'instant, pas de fail. Là, tac, écoutez, je sais pas trop quoi faire. Allez, le mineur qui est... Oh, il va sur les squelettes! Oui, casse-toi, 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 oui! Nickel, la pompe ici, allez, on a un peu YOLO, on a un peu YOLO. Il a pas de sort, oui, on a gagné contre Julius. Au lieu de la chatte, on est un peu de chatte. Mais bon, c'était pour la partie d'avant. Ah non, j'ai cru que le truc avait encore bugué, parce que je t'assure, là, j'aurais pété un plomb. D'ailleurs, les amis, j'ai reçu un nouveau boîtier d'acquisition qui est ici. Voilà, en forme de pyramide. Voilà, donc je vous le testerai bientôt. Voilà, merci à Vermedia. Alors du coup, tac... Extracteur d'élixir ici, et j'ai trop peur que ça bug maintenant, je te jure. Parce qu'il m'a fait un grésillement, vous avez vu. C'est pas cool ça, hein. C'est pas cool, un cochon gobelin direct. Après voilà, les petits gobelins qu'on gère. Voilà, là on va mettre les esprits de feu tout de suite à droite, voilà, pour la princesse. C'est pas mal, et malheureusement le jeu royal qui n'est pas arrivé assez tôt en fait, donc on n'a pas pu le mettre devant la sorcière, et ça on est très déçus. Ok, les esprits de feu qui ont fait le taf contre la sorcière, mais bon, elle a quand même mis un petit coup. Je propose qu'on mette un petit bomber, parce que le bomber, il fait plaisir. Voilà, très bien. Petit bomber, et on va partir en combo avec... Waouh, 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 qu'est-ce qu'il nous fait, le mec? Qu'est-ce qu'il nous fait ici? Est-ce qu'il a des flèches, vous pensez? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il a pas de flèches, le mec. On va gérer son mini PK, parce que je suppose que c'est un mini PK, ça peut très bien être quelque chose d'autre, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, il a sort de zap. Sort de zap, boule de feu. D'accord, très bien. Très bien, sort de zap, boule de feu. Bon. Ça va, on a pris un peu l'avantage. Après, en termes d'élixir, je sais pas combien il est. On va mettre du coup le cette troupe ici, l'AMG. L'AMG 63, bien sûr. L'AMG, c'est la méga gargouille. Hein. Vous le savez, maintenant, je fais des abréviations parce que ça m'a saoulé de dire méga gargouille à chaque fois. Est-ce qu'il jouait mineur? Ah non, il jouait cochon. Il jouait cochon. Tac, donc là, les squelettes ici pour gérer les petits esprits de feu. Et le bomber, il fait plus de dégâts normalement, non? Ouais, 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 c'est ça. Bon, bref. Allez, Géant Royal, s'il te plaît, sors, 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 il sort pas le mec, quoi, toujours plus tard. Alors, le petit bomber qui va mettre un coup, allez, un petit coup, frérot, oui, un petit coup, il tape à 300 quand même, c'est pas dégueu, c'est pas dégueulasse du tout. Alors, sorcière, saussotte, comme on dit, ok, mini PK, bon, je pense qu'on aura les petits squelettes du truc, du Géant Royal qui vont faire le taf contre tout ça. Ah, malheureusement, ok, d'accord, on va pouvoir mettre quelques coups, oui, s'il te plaît, allez. Malheureusement, le Mipika qui a fait un gros travail, malheureusement. Deuxième pompe. Allez. I like to pump it. I like to pump. Merde. Allez. Oh, bomber, bomber, bomber. Oh là là là, le bomber qui s'est fait décimer. Oh, c'était violent. Oh, c'était violent. Oh, la violence du truc, quoi. Allez, il a des petits gobelins, peut-être. On espère qu'il n'a pas sa princesse. D'accord. Le canon qui va se faire déchirer, bien sûr, il a sa princesse. Hein. Voilà, chaque fois que je dis un truc, forcément. Tac. Mini PK qu'on va distraire ici. Allez, va à gauche, frérot. Merci. Merci beaucoup. Méga gargouille. Et il faudrait le géant royal. Voilà, qui va arriver directement. Parfait. Allez, bomber derrière. Et là, il a juste à mettre deux petits coups. Allez, c'est pas beaucoup. Oh, c'est pas beaucoup. Deux, trois petits coups, c'est pas beaucoup. Franchement, ce jeu de mots, il mérite un gros pouce bleu. Et cette victoire qui va arriver. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec un deck qu'on chope dans le coffre magique. Franchement, je trouve qu'on a du talent. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas combien de temps elle dure. Elle dure environ, parce que du coup je vais devoir faire un raccord, elle dure environ 13 minutes, donc c'est génial. Du coup je pense qu'on a monté en trophée, on va checker ça. On a 3900, voilà, on a gagné des trophées, c'est formidable. On a gagné des trophées, on était à 3965, on est à 3986. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Excusez-moi si vous avez des petits bruits de micro, c'est qu'en fait je suis trop près, donc il faudrait que je parle. Voilà comme ça, excusez-moi, à chaque fois j'oublie. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe, on se retrouve du coup peut-être pour un deuxième épisode, si vraiment vous avez kiffé, pour le deck coffre magique. Voilà, la nouvelle série événement, le deck coffre magique. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe, à très bientôt, ciao.